Pas grand chose, hein. C'est pas grand chose. Oh, le moteur est fini. Bonne chose. J'ai tenu presque 5 générateurs. Ça fait plaisir de voir que des gens qui ont le sens du spectacle. Tu veux venir m'aider ou pas? Tu veux venir me décrocher? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un qui soigne tout seul. Il y a lui qui est là. Tu doug. Non, on fait pas. Ah non, ça on reconnaît le gameplay de Raver, ça. Hâte de voir la suite des projets. Merci beaucoup. Hein. Très très grand merci à toi, Andar. Très très grand merci à toi. Aïe aïe aïe. Ah quel beau. Ah quel beau gameplay. Dis donc, Maya, pourquoi tu veux pas passer joueur survivant? Ah. Tellement hâte d'être demain. Ouais, moi aussi. Moi aussi, tellement, tellement. Je n'ai même pas eu le temps. C'est toute la beauté des BD. Ah, ça fait très longtemps que je peux passer survivant, tu vois. Tellement temps, même tout court, hein, on joue plus beaucoup à DBD. Hein. C'est vendredi. J'ai gueulé l'aventure. Est-ce qu'elle vient de vers moi là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Le sentiment que je préfère traquer des survivants? C'est quand même vachement plus rigolo. Ok, elle est retournée par là-bas. Je te soigne pas du coup. Okay, tu veux que je te soigne? Voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup jouer survivant, mais il y a un truc moi qui me chafouine, justement en tant que survivant, c'est ça, c'est-à-dire que tu peux avoir un gameplay tueur qui change absolument tout. Et quand je dis partout, c'est... il est en face, il fait passer le temps, un peu anti-jeu. Mais c'est le gaming. C'est quoi ça? Ah. Trop drôle. Zoé. Ça fait longtemps que je suis pas passé. Moi, survivant. Et sur DBD, hein. J'ai pensé à un chien qui chasse 3 balles en même temps. Moi, j'ai jamais eu de chien dans ma vie, donc j'ai des potes qui ont des chiens. Je trouve ça, notamment un... Comment appelle ça? C'est quoi? C'est le charpet? Celui qui a plein de plis et tout dans tous les sens. Genre des plis et genre quand tu fais sa toilette, il faut que tu l'aides à faire sa toilette quand il sait pas le faire pour nettoyer entre les plis pour éviter les infections et tout. C'est ça, je crois. C'est ça. Le Sharpay. Bah moi, mon traumatisme, c'est qu'il s'est pris un bus en pleine face. Oui, voilà. C'est exactement lui. Eh ben, le Sharpay, moi, il m'a traumatisé aussi et surtout
Parce que je me souviens toujours, quoi. J'étais assis genre chez mon pote et tout, on discutait et tout. Et son charpé, il passe à côté. Et moi, il y a un truc qui me hante depuis ce jour-là. C'est les projections de bave. Les projections de bave, mon gars. C'est pour moi une hantise. C'est le chien qui passe à côté de toi. Il sait que tu vas pas le caresser parce que t'es pas là pour ça. Il sait que t'es pas très chat. Voilà. Pas très chien, pardon. Et ben cependant, il passe à côté de toi et il fait. Genre. Et tu vois. Et le truc qui m'a hyper traumatisé, c'est genre, tu vois sur le mur un truc qui fait. Flof. Tu vois? Et tu es là, tu. Quoi? Et du coup, moi, ça me fait peur parce que autant le mur, c'est ok, mais autant si tu ne. Comment ça s'appelle? Si tu as genre une veste ou un pantalon ou quoi, tu ne le vois pas ça. Tu ne le vois pas. Ça sur toi, tu ne le vois pas. Et c'est ma hantise. C'est ma hantise. Et bisous, pas ça demain. Non! Regarde, elle! Dédicace à Ravert. Ça va? Projection de charpé. Non identifié. Je suis team chien, mais les molosses qui bavent, dégueulasse. Oh, mais c'est terrible. C'est terrible. Le charpé qui en met partout en bavant, ça, je trouve ça mais insupportable. Oh, c'est pas là. Ouais. Je préfère les chats. Mais moi aussi, je suis team chat. Hein. Enfin, je pensais pas dire ça un jour, mais je suis en effet team chat. Merci Benji, merci pour le Prime. Merci beaucoup. Très très grand merci à toi. Oh là. J'espère que je vais pas crier. Fais-lui mal! Bravo, 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 bravo! Te dis, il y a une technique pour éviter que le chien te bave dessus. Prévoir un essuie pour le chien et l'essuie de temps en temps. Ouais, je suis d'accord. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait son maître. Toujours une serviette. Il faut imaginer un, je sais pas, un bavoir ou je sais pas quoi, mais. Mais c'était. Mais il s'en occupe très très bien. Mais c'est très surprenant quand tu veux, quand tu vois, genre, il est à côté, t'es tranquille. Il récupère sa serviette et fait, excuse-moi 2 secondes. Vous discutez de plans machiavéliques et tout. Et il lui fait un. Tu sais, t'as tué. Quoi? Le pantalon marche bien. Non, pas le. Non, non. Non, non, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Nous, on lui réservait de vieilles serviettes de bain. Ouais, exactement. Tout à fait. C'est exactement ça. Mais je suis pas team chien. Je suis pas allé. Oh, elle m'a vu, c'est sûr. Ou pas, ou pas. Non! Aïe 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 aïe! Oui! Oui! Abonne-toi!